Shalom, que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus en ce lieu ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous allons prendre l'écriture. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je l'avais un petit peu promis. Gloire au Seigneur. Amen. Nous parlons sur le message. Le message de William Branham, vit-il encore? Gloire à Jésus-Christ. Le message vit-il encore? Alléluia. Que la gloire soit au Seigneur. Alléluia. Nous avons marché avec Nicodème pendant presque 2 semaines. Amen. Et nous lui avons dit au revoir le vendredi. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est cela. Et comme il a eu la révélation de reconnaître, amen, que, alléluia, c'est lui qui a la vie éternelle, c'était celui-là. Et il est venu vers Jésus-Christ. Amen. Pour entendre la prédication de la vie éternelle. Amen. Qu'il nous donne aussi de tout notre cœur. Amen. Non seulement de venir, mais de demeurer dans cette vie éternelle. Dans ce message qui donne la vie éternelle. Nous allons simplement prendre Josué chapitre 1er, les versets 1 au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, Amen. Le pays promis. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Les empreintes de pas, poser les pas, c'est une possession. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, et depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pas que moi je te prescris, mais ce que Moïse t'a prescrit. Amen. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche de ce que Moïse t'a prescrit. Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi de Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Oh, toi qui nous as connus et appelés Seigneur, oh Dieu, tu connais nos cœurs et tu sais ce que nous avons besoin d'entendre. Oh, enfin de croire, de saisir la parole, de saisir la promesse et d'avancer dans le fait pâturage. Je prie que tu bénisses cette assemblée, que chacun te soit soumis et soit soumis à la parole, que le Saint-Esprit sois le seul esprit en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons lu Josué et nous savons que c'était un peuple. Amen.
le conducteur d'un peuple en voyage. Israël était en voyage. Israël était dans un exode. Amen. Quitter un lieu pour un autre lieu. Et nous savons que la Bible parle véritablement de trois grands exodes. Amen. Le premier, le deuxième, le troisième. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. Le premier exode, amen, Dieu prit, amen, son peuple de l'Égypte à Canaan. C'était le sortir de l'Égypte pour entrer à Canaan. Parce que c'est ça même la définition de la rédemption. La rédemption signifie sortir de et entrer dans. Gloire au Seigneur. Donc le premier exode, il consistait à sortir de l'Égypte. Le deuxième exode consistait à sortir du judaïsme, de la loi. Et ce troisième exode, c'est de sortir des dénominations pour entrer dans l'âge de l'épouse, pour entrer dans l'épouse de Jésus-Christ, entrer dans le millénium. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 36e mois 63, au paragraphe 28. Le prophète dit, eh bien, ce soir, on enregistre. Eh bien, ce matin, si Kim est là, ou s'il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. Et j'ai dit le deuxième exode. Je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu. Amen. Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'Église du judaïsme. Et le troisième exode, amen, c'est quand la même colonne de feu, gloire au Seigneur, fait sortir l'épouse de l'Église. Voyez-vous, amen, sortie du naturel, sortie du spirituel, puis du spirituel sort du spirituel. Les trois, le spirituel sort de l'Église, plutôt nous avons alors, voyez-vous, les trois âges en rapport avec cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que chaque enfant de Dieu qui vient à l'Église, c'est un exode. Voyez-vous, ce matin, tu as quitté ta maison, amen, ta ville, ton village, et tu as voyagé vers ce quartier, amen, pour venir ici. Gloire à Jésus-Christ. Et Israël partait d'un lieu à un autre lieu, amen, sur l'appel du Seigneur. Et à chaque exode, il y a eu la présence de la colonne de feu. Et à ce troisième exode, gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous montre que, voyez-vous, il réécrit la même chose. Amen. À chaque exode, alléluia, les mêmes choses se réécrivent. Amen. Les mêmes choses sont ramenées. Il y a un Moïse, il y a un Josué. Voyez-vous, il y a un Moïse, il y a un Josué. Moïse, c'est la parole. Josué, c'est l'Église. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, hier, les gens, amen, pouvaient sortir, amen, des différents lieux. Parce que, voyez-vous, lorsque Dieu accomplit l'exode, la même configuration est là. Nous ne réécrivons pas de choses nouvelles. Mais les mêmes choses s'étalent, le même tableau. Aujourd'hui, par exemple, on entend dire non, il faut s'asseoir et puis mettre des radios cassettes. Amen. Non, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et hier, les gens avaient, par exemple, la Bible à la main. Ils avaient ça sous forme de livre. Et nous savons, ils avaient ça sous forme de brochure. Amen. On peut le dire ainsi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Israël avait la loi, Israël avait des brochures, et amen, le peuple avant nous, ils avaient des Bibles, mais il fallut un prédicateur. Il fallut un prédicateur qui va se tenir la chair et leur prêcher la Bible qu'ils avaient en main. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui encore, les gens auront des brochures à la main et il faut des prédicateurs. Gloire au Seigneur, conformément à Romains 10, 14, qu'on peut lire si vous le voulez. Les gens auront encore des brochures à la main et il faut encore des prédicateurs qui vont leur prêcher la Bible qui est dans leurs mains. Gloire au Seigneur. Le fait d'avoir des brochures à la main, le fait d'avoir des Bibles à la main n'a pas mis fin, amen, à l'œuvre de la prédication de la parole. Vous voyez, les gens avaient des Bibles à la main et disent non, moi j'ai la Bible. Je suis à la maison, je lis la Bible, je vis bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et le même esprit, le même démon. Gloire au Seigneur. Quand vous croyez quelque chose, amen, vous le croyez jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Le même esprit. Voilà, quand le diable n'arrivera pas à vous faire, voilà, vous quitter le message. Et qu'il sait que vous allez vous agripper au message, quel que soit ce qu'il fera, vous allez rester fidèle au message. Il trouve des ruses et des astuces pour vous retirer de l'assemblée et dire tu peux rester à la maison, lire tes brochures, et puis tu es sauvé. C'est-à-dire, on rejoint carrément le même groupe qui dit j'ai la Bible, au lieu d'aller trouver quelqu'un qui va me prêcher la Bible qui est dans ma main. Moi-même j'ai la Bible, je vais m'asseoir à la maison, je lis, je prie et j'irai au ciel. Vous comprenez cela? Ainsi, si le diable n'arrive pas à vous retirer du message, il va dire bon, écoutez, je te laisse avec le message, mais seulement ne va pas à l'église. Amen. Et de ce côté-ci, parce que le message aussi c'est la Bible. Moïse a écrit l'Ancien Testament, Paul a écrit le Nouveau Testament, William Branham a interprété la Bible entière, l'Ancien et le Nouveau. Donc c'est la continuité du même esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si je n'arrive pas à vous retirer, garde les brochures, mais ne cherche pas un prédicateur qui va te prêcher les brochures, parce que toi-même tu as ça. Assois-toi, écoute, on a aussi la Bible en audio. On a aussi la Bible sous forme de... Hein, on a des livres. On a la Bible en audio. Donc quelqu'un, etc., qui s'est approprié la Bible, qui croit que la Bible est vraie, peut aussi s'asseoir à la maison et puis lire la Bible, écouter la Bible, prier, et puis dire « Je suis sauvé ». Vous comprenez, frère? C'est très important. Nous parlons du message ce matin. Mais de la même manière, quelqu'un aussi assis à la maison, il dit j'ai les brochures de William Branham. Gloire au Seigneur. J'ai les brochures. Amen. Je les ai en écrit. J'ai les brochures et les bandes. Je peux moi aussi m'asseoir à la maison. Je n'ai pas besoin de prédicateur. Je m'assois à la maison, je lis ça, je prie et je crois que j'irai au ciel. Le même esprit, amen, le même esprit séducteur. Le même esprit trompeur. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est du sectarisme. C'est du sectarisme. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est parti peut-être en voyage dans un campement. Amen. Qui est allé dans un campement. Amen. Ce dimanche, par la force des choses, n'a pas pu venir en ville pour venir à l'église. Ce matin, bien sûr, il va s'asseoir dans son campement. Il va ouvrir la Bible. Il va ouvrir une brochure, ou bien son portable, il va mettre une bande, et il écoute une prédication, il prie le Seigneur, et puis voilà. Mais toi qui as la possibilité de trouver un prédicateur, tu ne feras pas la même chose. Romains 10, 14.
Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils? Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ah non, mais j'entends, je lis la Bible, j'entends Dieu me parler. J'entends Isaïe, j'entends celui-là, j'entends celui-là. Mais comment en attendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a pas une personne qui prêche? Amen. Lorsque Moïse était mort, et que maintenant Josué et les sacrificateurs conduisaient Israël, nous avons lu ici, Josué avait les brochures de Moïse. On peut dire ça? Amen. Gloire au Seigneur. Josué avait les brochures de Moïse. Josué, Dieu n'a pas dit à Josué, Moïse est mort, son message est mort aussi. Donc je vais te donner un nouveau message. Je vais te prescrire un nouveau message pour Israël. Non. Mais Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Mais lève-toi, prends les brochures de Moïse. Prends les bandes de Moïse. Et en t'appuyant sur les brochures, en restant fidèle aux brochures et aux bandes de Moïse, conduis Israël avec ça. On peut conjuguer ça au présent comme ça? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, Josué prit les brochures de Moïse sans aller à gauche, sans aller à droite. N'est-ce pas? Dites ce que disent les bandes. N'est-ce pas? Amen. C'est dites ce que disent les bandes, ça. Prends les brochures de Moïse. Ne va ni à gauche. N'invente pas toi-même tes doctrines. Amen. N'invente pas toi-même quoi que ce soit. Amen. Amen. Tu resteras fidèle aux brochures et aux bandes de Moïse. Amen. Et tu conduiras le peuple avec ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sans aller à gauche. Donc repère-toi. Quoi? Repère Moïse. Amen. Il faut répéter Moïse. Amen. Donc Josué était le coup de bande de Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Donc tes prédications, tu dois les puiser dans ce que Moïse a dit. Amen. Et Josué donc prêchait en s'appuyant sur les bandes et les brochures de Moïse. Gloire au Seigneur. Il n'a pas mis autre chose. C'était un homme vivant. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. Dieu ne oint pas des appareils. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre Dieu dans son peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ça. Dieu dans son peuple prêché le 27 deuxième mois 1950. Dieu dans son peuple. Le 27 deuxième mois 1950, paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Hein? Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Il faut un homme oint sous l'onction pour prêcher la parole. L'appareil n'est pas oint. Parce que Dieu ne descend pas sur les appareils. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Donc si vous avez du message, vous allez dire amen. Gloire au Seigneur. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Amen. Et ce qui suit même est juste. La chose la plus difficile même que Dieu, etc., elle n'a jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Quelquefois, il y en a qui sont orgueilleux, ils n'aiment pas écouter un homme. Moi, je vais aller écouter un homme, il va me prêcher, ce qui me prêche là, je connais ça dans les brochures ici. J'ai ça dans les brochures ici. Mais est-ce que tu n'as pas ça dans les Bibles ici? Amen. Hein?
Ça dit ça. Ouais, une fois, on m'a dit, un homme de Dieu s'est assis à la télévision, il a dit, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour être sauvé. Si tu restes à la maison, tu vis bien, écouter, etc. Vous comprenez? Le diable, par des astuces, peut amener les gens à pécher, à faire des choses qui vont croire être justes. Mais un chrétien doit avoir des principes. Des principes sur lesquels tu marches. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque Moïse mourut, alors Dieu a dit à Josué, prends les brochures de Moïse. Amen. Prends les brochures de Moïse. Et fais ton ministère avec ça. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, frère. Ainsi, Josué n'a pas reçu un nouveau message. Josué n'a pas reçu un nouveau message. Mais Josué peut être un ministre de la parole qui prêche en s'appuyant sur ce que Moïse a dit. Josué peut, amen, avoir des expériences. Josué peut avoir des ministres, peut avoir des ministères. Josué peut être docteur, c'est-à-dire un grand enseignant. Docteur, ça veut dire celui qui a, c'est un enseignant de la parole. Josué peut être prophète. Mais quel prophète? Un prophète éphésien. Prophète mineur, prophète éphésien. Gloire au Seigneur. Il n'est pas interdit que dans ce message, on ait des prophètes. Les prophètes éphésiens, on peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le prophète majeur, il n'y en a qu'un seul dans un âge. Gloire au Seigneur. Si nous prenons Acte 11, verset 27. Acte 11, verset 27. Or, en ce temps-là, qui était le messager? C'était Paul. Amen. L'apôtre Paul. Amen. Mais la Bible dit, en ce temps-là, des prophètes. Des prophètes. Ce ne sont pas des faux prophètes. Non. Mais ce sont les prophètes d'Éphésiens 4, 11. Ce ne sont pas des prophètes messagers. Amen. Donc, aujourd'hui, dans le message, on peut avoir des prophètes. Joseph Branham peut être prophète. Tel, dans tel pays, ou tout ça, peut être prophète. Mais il n'y a qu'un seul prophète messager, c'est William Aaron Branham. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va dire, mais il est mort. On en vient. On va voyager jusqu'à la fin là-bas, vous allez voir. Soyez des croyants, de vrais croyants du message. Gloire au Seigneur. Hein? Les gens que ces faux prophètes arrivent à glaner, ce ne sont pas de vrais frères. La Bible dit que les gens marchaient dans le désert derrière Moïse même. Mais cependant, les Amalécites tuaient certains derrière. Il y en a qui traînaient derrière, les Amalécites les tuaient. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous avez goûté, vous avez vu que le message est bon, entrez dans le pays. Et que le Jourdain se ferme derrière vous. Et vivez dans le pays. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. De Jérusalem à Antioche. L'un d'eux se nommait Agabus. Gloire au Seigneur. Hein? Agabus, etc. Vous êtes au courant de ça. Donc les prophètes d'Éphésiens 4.11. Amen. Les prophètes d'Éphésiens 4.11, on peut en avoir. Il peut en avoir plusieurs même dans un pays. Il peut en avoir, etc. Il peut en avoir. C'est-à-dire des prédicateurs avec un don de voyant extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Il faut envoyer Éphésiens 4.11, on va lire. Voyez-vous, verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, quoi? Les uns comme apôtres. Donc, on peut avoir des frères dans le message qui ont un ministère d'apôtre. Amen. Nous disons amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, il peut avoir des prophètes. Il peut avoir des apôtres. Il peut avoir des prophètes. Si un frère dans le message dit, moi, j'ai un ministère d'apôtre, que Dieu soit béni. Amen. Il ne dit pas, oh, mais lui, il est orgueilleux, etc. Non, non, non. Gloire au Seigneur.
les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Gloire au Seigneur. Donc ce sont des ministères qu'on peut avoir et qu'on doit avoir dans le message. Mais ça n'enlève à rien le fait qu'il n'y a qu'un seul prophète messager, c'est William Branham. Ce quintuple ministère, ces cinq qu'on a cités là, chacun prêchera en s'appuyant sur ce que William Branham a dit, en n'allant ni à gauche ni à droite, méditer ce que William Branham a dit jour et nuit, et rester fidèle à ça, c'est en cela qu'il aura le succès. Amen. Donc un vrai Éphésien, c'est celui-là qui reste fidèle à ce que son Moïse a dit. Un vrai aujourd'hui, un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai pasteur, s'il se réclame du message, c'est très bien. Gloire au Seigneur. Mais il n'ira ni à gauche ni à droite. Il restera fidèle à ce que William Branham a dit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, Josué. Amen. Même, je crois, le prophète a dit même que Moïse, David même était prophète. Voilà. Prophète, etc. Josué, prophète. Quelquefois là-bas, il dit Josué était général, etc. Et voyez-vous que Josué même n'est même pas lévite. Josué n'est même pas lévite. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas entrer dans le lieu saint. Amen. Et à plus forte raison, faire de lui un prophète messager. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela. Josué ne dira rien d'autre que ce que Moïse a dit. Il est la bouche de Moïse. La bouche de Moïse. Voyez-vous, il prendra de ce qui est de Moïse et conduira le peuple. N'est-ce pas? Voyez-vous comment il typifie le Saint-Esprit? On peut même lire Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Donc, Josué devrait prendre ce qui est de Moïse et conduire le peuple avec ça. Et la Bible dit, quand le Consolateur viendra, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Et même lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, verset 12, 13 là-bas, il a dit, le Saint-Esprit a établi. Amen, chacun dans le corps. Le Saint-Esprit les a établis, chacun à sa position. Et c'est ce que Josué a fait. Il a placé chaque tribu dans sa position. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Judas par ici, Ephraim par ici, Nephtali par ici, amen, toi par ici, par ici, par ici. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne prendra pas, il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez comment cela colle avec Josué bien. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Gloire au Seigneur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Josué prendra de ce qui est de Jésus-Christ, de Moïse, et il vous annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, amen, la mort, ainsi voyez-vous, la mort de Moïse n'a pas mis fin à son message. Mais le message de Moïse a continué à vivre. Amen. Nous sommes d'accord?
Son message continue à vivre à travers Josué. Le message de Moïse continuait à vivre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque, voyez-vous, Israël était sorti de l'Égypte, qui était devant? C'était Moïse. Lorsqu'il traversait la mer dans le désert, Moïse était devant. Dieu a dit, passe devant le peuple. La colonne de nuée, Moïse et le peuple. Les sacrificateurs même étaient derrière lui. Vous comprenez cela? Oui. Mais lorsque, par exemple, là, il devait traverser, par exemple, le Jourdain ici, ce n'est pas Moïse, Josué qui s'est mis devant. Jésus a dit que ceux qui portent l'arche, ceux qui portent le message de Moïse, ceux qui ont le message de Moïse sur leur épaule, car dans l'arche se trouvait la verge qui a bourgeonné, la manne cachée et la table de la loi, et les sacrificateurs qui portent ça sur leurs épaules, que cela passe devant et qu'ils conduisent le peuple. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Moïse était devant. Et après Moïse, c'est son message qui était toujours devant. Ainsi, la mort de Moïse n'a pas mis fin à son message. Son message continuait à conduire le succès d'Israël après Moïse. Amen. Alléluia. Était lié, amen, à leur fidélité. Dépendait de leur fidélité aux brochures et aux bandes de Moïse. Le succès de Josué, amen, amen, consistait, amen, dépendait de sa fidélité aux brochures et aux bandes de Moïse. Alléluia. La mort de Moïse n'a pas mis fin. Et voyez-vous, les brochures, William Branham nous dit, dans les exposés des sept âges, vous avez trouvé? Alors, exposé des sept âges, paragraphe 76-2. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort, un martyr. Vous écoutez? Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place. Amen. Paul était déjà mort. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place. Écoutez bien. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée. Gloire au Seigneur. D'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Paul était déjà mort. Parce que c'était autour de 100. Voyez-vous là, il fait ça part de 53 à 170. C'était autour de 100 après Jésus-Christ que l'Apocalypse a été écrit. Jean est mort en ce temps-là, c'est là, à ce moment-là, il a écrit. Il a écrit même en ce temps, il est parti même à Éphèse pour être pasteur là-bas et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais, amen, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Vous avez trouvé maintenant. Vous suivez? Amen. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place. Exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort, vous écoutez frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève en rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. On acclame le nom du Seigneur pour cela. Amen. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse ne soit apporté, avant que Jean écrive l'Apocalypse, n'enlève en rien le fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît,
est celui qui, de la part de Dieu, marque ce temps de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme, c'était Paul. C'est clair. Que quelqu'un ne vous dise pas, oh, William Branham est mort. Non. Et puis quoi? Non, William Branham est mort, son message est mort. Non. Vous connaissez la parole. Vous connaissez la parole. La mort d'un prophète, amen, ne tue pas son message. La mort d'un prophète messager n'enterre pas son message. Dieu l'a envoyé pour venir donner un message. Il finit, il retourne, le message ne meurt pas. Si le président envoie un émissaire dans un village pour aller dire, amen, va, dis-leur, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous aurez de l'électricité, vous aurez du courant, etc. Mais le missel va, chef du village, rassemble tes notables. Rassemble, le président m'envoie vous dire que vous aurez de l'électricité, de l'eau courante. Amen, vos rues seront goudronnées. Les gens, ils acclament et puis ils s'en vont. Est-ce que quand ils s'en vont, oh donc, électricité, on n'aura plus ça. On n'aura plus courant. Les rues ne seront plus goudronnées parce que le missel est parti. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Amen. Lui, il vient, il accomplit son ministère. Il vous donne les nouvelles, il prêche. Il a fini son message, il s'en va. Maintenant, le ministère des villageois, du chef du village, de ses notables, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que le chef du village va prêcher. C'est maintenant que ses notables vont prêcher. Le président nous a dit par son émissaire. Dieu nous a dit par Moïse que nous aurons le courant. Dieu nous a dit par Moïse que nous aurons de l'eau courante. C'est maintenant le ministère des Éphésiens. Le naturel typifie le spirituel. Gloire au Seigneur. On ne peut pas nous séduire, nous tromper, frère. Non, quand un prophète est mort, son ministère est mort. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la parole. On peut séduire, tromper les gens. Vous savez, quand vous regardez ces choses de plus près, vous savez que William Branham a dit dans chaque âge, il aura des jumeaux. C'est-à-dire, il y a le vrai et puis il y a le faux. Donc, le faux aussi sera populaire mondial comme le vrai. Mais il sera faux. Donc, le vrai faux jumeau, amen, qui vient après le prophète, c'est celui dont le ministère sera mondial. Gloire au Seigneur. Il se réclamera lui aussi du message. Il ne vient pas pour poursuivre le message de l'autre. Mais il viendra lui aussi avec son message. Mais un message qui contredit ce que l'autre a dit. Mais qui sera aussi mondial. Amen. Voici les deux jumeaux de chaque âge que William Branham a prédit. Amen. Mais pour que l'enfant de Dieu soit gardé, il faut se réfugier derrière le seul bouclier que Dieu nous a donné, c'est sa parole. L'arme offensive et défensive, c'est la parole. Le messager ne meurt pas avec son message. Après Paul, Jean s'est levé. Dieu lui a parlé même, il a écrit l'Apocalypse, mais ça n'enlève en rien le fait que c'est Paul qui est le père de l'âge. Et que Jean ne peut pas contredire Paul. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, quand on parlait même des âges, on avait parlé de l'âge de Thyatire. Hein? L'âge de Thyatire, le quatrième âge. L'âge de l'Église catholique. L'âge des ténèbres. Thyatire même signifie la femme dominatrice. C'est-à-dire là où cette Église romaine s'est levée pour dominer et écraser toute pensée contraire. Mais le messager de cet âge, il n'a même pas vécu un jour pendant ce tranche d'âge. Et je vous dis que ça, c'est le doigt de Dieu qui a dessiné ça devant les gens. Donc ça, c'est égal à un verset biblique. Ce temps de Thyatire a commencé en 606, n'est-ce pas? Pour finir en 1520. Amen. Mais cependant, le messager de ce temps, c'est Colomban. Hein? Colomban d'Irlande. Gloire au Seigneur.
Hein? Il est mort en 597. Il est mort en 597. Amen. Après Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est le messager de l'âge. Dieu a confirmé cela. Personne, aucun de tout ce que vous écoutez ne peut contredire ça. Personne ne dit que c'est faux. Colomban est mort en 597. Donc ça veut dire qu'il est mort avant que l'âge ne commence. Vous suivez? Mais cependant, il est le messager de l'âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est né le 7 décembre 521. Il est décédé le 9 juin 597. Et c'est son message qui a nourri l'âge de Thyatire. Amen. Ceux qui se cachent, qui pouvaient se cacher sous les ponts, peut-être ils priaient en brousse, ils se cachaient, ils amènent face au dragon à Rome. Amen. Ils pouvaient se cacher pour prier. C'est son message qui a entretenu la foi de cette petite lumière, cette petite partie blanche qui pouvait exister. Mais regardez que le messager de cet âge a vécu et est mort avant que l'âge ne commence. Mais cependant, Dieu fait de lui le messager de l'âge. Donc si la mort d'un messager met fin à son message, il ne serait pas cité comme messager de l'âge de Thyatire. Donc personne ne peut nous tromper, frère. Amen. Donc Moïse meurt, son message est là. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, William Branham. Amen. Il faut qu'il y ait toujours un dernier. On dit non, pourquoi vous voulez que ça soit le dernier? Mais il faut qu'il y ait un dernier un jour. Hein? Lorsque les gens disent non, Adam a eu un père. Ou bien il a réussi à dire. Mais il faut toujours, tu vas remonter jusqu'à ce que tu vas trouver un que lui n'a pas de père. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Les gens disent, oh, vous adorez Dieu, mais avant Dieu, il y avait un autre Dieu. Avant Dieu, il y avait un autre Dieu. Très bien, très bien. Alors, remontez. Vous allez remonter jusqu'à, vous allez trouver un qui, lui, il n'y a rien avant lui. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Elohim, celui qui existe par lui-même. Amen. Celui qui existe par lui-même, le Dieu aux multiples attributs. Le El Ela Elohim. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et William Branham est le dernier prophète messager. Le septième. Septième, c'est la fin. C'est l'achèvement. Amen. C'est la totalité. C'est le rassemblement total. Gloire au Seigneur. Septième, c'est le rétablissement. C'est la restauration. Parce que quelque part là-bas, le mot restauration n'existe pas en anglais. Jésus, c'est restauration. C'est la restauration. Septième, c'est la restauration. Gloire au Seigneur. Naaman s'est plongé une fois. Mais l'esprit de lui a dit sept fois. Amen. Et l'esprit de lui vient ici à ce septième jour. Élisée a dit à Naaman sept fois. La première fois, l'expiation n'était pas encore complète. Amen. La lèpre était encore là. Deuxième, la lèpre était là. Troisième, jusqu'au septième cas, il a plongé pour la septième fois. C'est-à-dire la septième prédication. Amen. Restaure l'église de Jésus-Christ. Amen. La restauration et la rédemption totale. Gloire à Jésus-Christ. Il faut un dernier. Et nous allons l'y faire. Question-réponse, prêchée le 12-30, premier mois 61. Question-réponse du 12 premier mois 61, paragraphe 391. Vous suivez? Amen. Gloire au Seigneur. Mais, depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Amen. Et nous le croyons tous ici ce matin. C'est pourquoi nous sommes ici, parce que vous croyez qu'il y a un Dieu. Et Dieu, ça veut dire, il est le sujet de mon adoration. Amen. Toute ma pensée, mon adoration, ma louange est tournée vers lui. Amen. Parce que je l'adore. Je savais que quelque chose
se passait dans ma vie, c'est hors de tout doute, mon frère. Et voyez, mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra, qu'un messager viendra. Mais je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Les gens s'arrêtent là. Et puis disent, ouh, gloire au Seigneur. Il a dit que quelqu'un viendra. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est son ministère, la troisième phase de son ministère. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez, ce sera. Mais ce message que je prêche, aujourd'hui les gens, je suis prophète. Non, un vrai prophète ne s'expose pas comme ça. Gloire au Seigneur. Jésus même se cachait. Gloire au Seigneur. Quand on appelait William Branham prophète, il dit, c'est vous qui dites que je suis prophète. Mais aujourd'hui, les gens vont sur les plateaux de télévision pour se revendiquer prophète. Si vous les appelez même, tu n'as pas dit prophète même, tu lui dis même pasteur, il est fâché. Amen. Cela montre déjà que ce n'est pas un bon esprit. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. C'est le dernier message. Gloire au Seigneur. Voyez-vous ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi, parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Il n'y a pas un autre. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, quand il commence à parler pour aller, etc., l'Esprit de Dieu vient l'arrêter et parler. Gloire au Seigneur. S'il y a un prophète qui doit venir, etc., l'Esprit de Dieu vient mettre fin à ça. Comme il dit, arrête. Et puis l'Esprit de Dieu parle. Amen. Vous dites, ce message, c'est le vrai message. Ce message, c'est le dernier message. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? La brochure intitulée « L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation ?» prêchée le 9, 3e mois 58, au paragraphe 56. Le 9, 3e mois 1958, paragraphe 56. Et l'ange, suivez, le dos tourné à la tente, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'était le messager. Oh, comprenez-vous ce que je... Amen. De quoi je parle? Quelle sorte... Alléluia. Quelle sorte de télépathie mentale est-ce? Avec le dos tourné à la tente. Et elle, tout en étant à l'intérieur, sourit et dit, pourquoi a-t-elle ri? Il le savait. Et c'était cela le dernier message avant que Sodome et Gomorre ne fût brûlés. Nous savons ça? Amen. Frère, si vous m'entendez, amen, si vous entendez cela ce soir, donc ce matin, frère, si vous attendez cela, amen, c'est maintenant le dernier message avant que le monde ne soit brûlé. Dites amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est clair. Je crois que c'est clair. Amen. C'est maintenant le dernier message avant que le monde ne soit brûlé. Donc jusqu'à ce que ce monde ne soit brûlé par des bombes atomiques et tout, le message de William Branham demeurera le dernier message.
avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vous envoie Élie le prophète. Gloire au Seigneur. Il y a Élie lui-même. Après lui, il y a eu Élisée. Après, il y a eu Jean-Baptiste. Ça fait 3. William Branham, ça fait 4. Et Élie d'Apocalypse, chapitre 11, ça fait 5. Il n'y a pas un autre encore. Amen. Le quatrième saut. Prêché le 21, 3e mois, 1963, le paragraphe 347. Eh bien, tenez-vous, tenez. Pour terminer, pour ceux qui ne croient pas que le dernier messager de là de l'église, c'est Élie, le prophète, un homme, c'est pas un ange céleste, etc., un homme, avec cette onction-là sur lui. Amen, amen. Le cinquième saut, hein, c'est ça, le 23e mois 1963, paragraphe 320. Remarquez, le premier Élie, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier Élie, c'est Élie lui-même. Le deuxième, c'est Élisée. Le troisième, c'est Jean-Baptiste. Le quatrième, c'est le septième ange. C'est pas un ange céleste. C'est un ange terrestre. Élie n'est pas un ange céleste. Élisée n'est pas un ange céleste. Jean n'était pas un ange céleste. Ce sont des anges terrestres. C'était le septième ange ou le dernier messager de l'église. Selon Malachie chapitre 4 et Apocalypse 17. Maintenant, la cinquième fois, amen, c'est un messager pour les Juifs. Donc si tu viens pour dire que tu es messager, va chez les Juifs là-bas. Amen. Amen. Le cinquième, c'est pour les Juifs, pour appeler les 144 000. Amen. Après le départ de l'église. Donc si un messager se lève encore pour dire je suis prophète messager, c'est qu'il dit que l'enlèvement a déjà eu lieu. Donc ça, c'est une œuvre vaine en train de faire. Question-réponse. Le 12 premier mois 61. Le 12 premier mois 61, paragraphe 384. 384. Question-réponse du 12 premier mois 61, paragraphe 384. Écoutez, frère, je vous adjure devant Christ de vous tenir un peu tranquille. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendrez. Voyez-vous, ne connaissez-vous pas la toute première chose qu'il avait dit là, à la rivière Oyo, lorsqu'il baptisait la 17e personne. La lumière est descendue. Et de la lumière, une voix est sortie. Et la voix a dit. Amen. Et la voix a dit, alléluia, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ton message, pas toi, mais ton message. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ton message, c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Amen. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Amen. Le message n'est pas mort. Non. L'homme est mort, mais le message vit encore. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jean est le dernier prophète avant la venue du jour de la grâce. Et William Branham est le dernier prophète messager avant la venue du jour du jugement. Avant que je ne vienne frapper le pays de terre. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Gloire au Seigneur. Le message de William Branham vit encore. C'est vrai. Vit encore. Amen. Aujourd'hui. Amen. Il est encore d'actualité. Amen. Amen.
Amen. Le message continue à nous préparer. Amen. Les Éphésiens 4 prennent cela et prêchent. Amen. Et le peuple se prépare. Amen. Gloire au Seigneur pour la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons l'alliance confirmée d'Abraham. Prêchez le 18, 3e mois, 61. Le 18, 3e mois, 61. L'alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 125. Nous suivons. Qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui me prend de toute façon? Je vous dis seulement la vérité. Un jour, vous comprendrez cela. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Ma voix, hein? Ma voix peut se taire. C'est-à-dire, je peux mourir. Ma voix peut se taire. Il se peut que vous ayez le pouvoir de faire taire le corps qui parle. Amen. Mais vous ne ferez jamais taire cette voix. Amen. Vous ne ferez jamais taire le message. Amen. Elle vient de Dieu. Amen. On a lapidé Étienne, mais on ne pouvait pas arrêter son message. Il continuera son chemin. Ces bandes, les bandes de William Branham, les brochures de William Branham, ces bandes seront jouées des années après que je sois parti. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bouillons dans mon cœur. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire la voix de William Branham continuera à vivre. Amen. L'homme peut mourir, Amen. Mais le message vit encore. Amen. Les âmes qui sont en prison, les âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10, 11e mois, 63. Paragraphe 267. Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Amen. Vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue à vivre. Vous pouvez endormir le messager. Mais vous ne pouvez pas le faire pour le message. Oui, oui, c'est vrai. Il continue à vivre. Assemblée dit amen. Vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue à vivre. Amen. Amen. Donc Josué continue le ministère de Moïse. Amen. Parce que le but de Dieu en envoyant Moïse en Égypte, va prendre mon peuple, faire les sorties pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Donc Josué, c'est la continuation du ministère de Moïse. Amen. 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 Vous pouvez endormir le messager, Amen. Mais vous ne pouvez le faire pour le message. Oui, oui, c'est vrai. Il continue à vivre. On peut dire encore. Amen. Et tu ne le sais pas. Prêchez le 15, 8e mois, 65. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 mois avant sa mort. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ses bandes et ses brochures resteront quoi? Vivantes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Amen. Beaucoup d'entre vous, jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir, que ceci est exactement la vérité. Amen. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Amen. Le message n'est pas bon. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Les bandes nous prêchent encore, les brochures nous prêchent encore. Amen. La voix de William Branham est encore vivante. Amen. Il n'est pas mort avec sa voix, avec le message, non. Non. L'enlèvement, prêché le 4, 12e mois, 65. Au paragraphe 155. Nous sommes l'an
prêt maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie, vous qui êtes sortis des dénominations du monde, pour vous ranger derrière le message, la seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil. Amen. Pour mûrir. Amen. Vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. Restez simplement dans le message. Amen. Amen. N'allez ni à gauche ni à droite. Amen. Continuez à vivre une bonne vie. Amen. C'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse. L'enlèvement. Un char de feu. Amen. En ce grand matin, la grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées le jour du jugement. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous la voix. Amen. Les Josué. Alléluia. Je n'ai même pas noté ce verset là pour vous. Lui, Abraham dit, Dieu suscitera ses Josué. Il aura des Josué partout, des Éphésiens. Ils continueront de faire entendre. Amen. La voix de lui, Abraham. À la recherche du dernier élu. Gloire au Seigneur. Amen. Lui, Abraham dit, il est assis intercédant jusqu'à ce que le dernier élu entre. Amen. Et il peut entrer ce soir. Le dernier élu peut entrer ce soir. Amen. Et ça sera terminé. Amen. Et chaque prédication, amen, qui est donnée, qu'est-ce que c'est? Amen. Dieu est à la recherche du dernier élu. Amen. Et William Branham dit, il peut entrer dans l'église ce soir. Et lorsque le dernier élu recevra le baptême du Saint-Esprit, amen, la porte de la grâce sera fermée. Amen. Allez, prenons exposé. Hein, exposé les sept âges encore, paragraphe 156. 156.2. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Hein? Comme quand vous êtes sous un pont, ou bien quand vous criez, oh, vous taisez. Et puis la voix qu'on voyage. Amen. Donc le prophète meurt, mais il y a les Éphésiens 4 qui font écho de cette voix-là. D'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées, pas des postes radio qui ont été fidèlement enseignées, mais à travers d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Josué ne doit dire que ce que Moïse a dit. Amen. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 34. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai prescrit est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quoi? Est-ce que vous cherchez? Est-ce de ce vous, de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce vous seul, à vous seul qu'elle est parvenue? Amen. Ils ajoutent par ceci et ils retranchent par là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Amen. Et le réveil s'éteint. Et comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix,
car l'Esprit n'a qu'une seule voix, et il est la voix de Dieu. Et Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis en disant, même lui ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait dit par révélation. Amen. Amen. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire amen ce qu'il leur s'était donné à dire amen aux églises. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et voyez-vous, les mêmes choses, comme voyez-vous dans Philippiens 4:9, dans 2 Timothée 2:2, l'apôtre Paul a aussi averti son âge. Philippiens 4:2. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez su, revu, vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, dis cela à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu dans mes brochures, ce que tu as entendu dans mes bandes, en présence de beaucoup de témoins, c'est-à-dire qui a été confirmé, confie-le à des hommes fidèles. Amen. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Pas de le confier à des postes radio. Non. Mais confie-le aussi à d'autres hommes, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. C'est ainsi que le message part d'un messager et parcourt, amen, le monde, parcourt les quartiers. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le message de William Harold Branham vit encore. Ce message ne prendra fin que l'enlèvement a eu lieu. Amen. Le dernier élu est rentré. Tout est terminé. Amen. Le monde va brûler. Gloire au Seigneur. Amen. Nous n'attendons plus un autre prophète messager. Amen. Tout ce que nous verrons, ce sont des Éphésiens 4:11. Des auxiliaires merveilleux. Amen. Qui prendront ce message. Et avec des assemblées de 2 ou 3 personnes quelque part. Amen, avec l'Esprit de Dieu et la crainte de Dieu, resteront fidèles à ce que leur Moïse a dit. Amen. À ce que William Branham a dit. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, frères, nous devons prier afin que quand le séducteur viendra, nous prendissions la parole. Amen. Nous nous refugions ce que le prophète a dit. Comme dans Apocalypse chapitre 2, la Bible dit, tu les as éprouvés et tu les as trouvés menteurs. Pourquoi? Mais parce que ce âge-là a pris ce que Paul a dit. Amen. Parce que comme le prophète le dit, s'il a averti son âge, lorsque quelqu'un venait prêcher, parce que Paul a dit, si moi-même je revenais dire au contraire de ce que j'ai dit, amen, que je sois un menteur, je sois anathème. Donc quand les gens prêchaient et que cela ne s'alignait pas avec ce que le prophète Paul avait dit, ces personnes étaient des menteurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons prier. En fait, que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Ceci des frères fidèles, amen, des sœurs fidèles, amen, qui seront des colonnes, des soutiens. Amen. Alléluia au message. Amen. Les sœurs, par leur fidélité, par leur vie, par leur sanctification, amen, par leur vie vraiment consacrée au Seigneur. Amen. Amen. Seront une prédication. Elles prêchent par leur vie, par leur témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. En fait que, amen, l'évangile trouve la force de continuer. Amen. Pas de frères impudiques. Amen. Pas de frères ivrognes sous là. Amen. Amen. Mais de frères craignant Dieu. Amen. Toujours fidèles au temple. Amen. Amen. Glorifiant le nom du Seigneur. Amen.
Et même si nous sommes deux ou trois, et là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là. Amen. Consacrons-nous chaque jour. Et avançons de tout notre cœur. Quel que soit les hauts et les bas. Et n'est-ce pas, par mon pavot, dur et par endroit, c'est le chemin du plein salut, rempli de l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.